Bonjour, je vais vous parler de l'onglet filtrage du logiciel Discope. Donc pour ce faire, je vais transférer une courbe provenant de l'oscilloscope. Donc le transfert se fait. Voici. Donc je viens dans l'onglet filtrage. Et là, cette fois-ci, je vais calculer par exemple le filtre sur CH1 ou CH2. Voilà, donc dans un premier temps CH1, j'ai appliqué un filtre passe-bas de fréquence de coupure 1 kHz, d'ordre 2. C'est une topologie de Butterworth, alors il en existe d'autres, hein, vous pouvez choisir. Voilà, l'ondulation est de 1 dB dans la bande passante et d'au moins 60 dB dans la bande atténuée. Voilà, donc là ici on a un ordre 2. Si je mets un ordre 1, je recalcule, voilà, ça change tout à fait la réponse du filtre. Voilà, donc si je mets un ordre 3 par exemple, voilà, calculer ici, 4, voilà, donc je reprends l'ordre 1, je vais regarder un petit peu la FFT, de ce que cela donne, ou donc je vous montrerai la FFT sur autre chose. Donc si je l'applique sur la voie 2 ici, calculer, voilà le résultat. Maintenant si je prends un filtre passe-haut, calculer. Voici le résultat sur CH1, voilà. Alors ici, j'ai un filtre passe-bande ou un filtre réjecteur. Donc les paramètres de réglage de fréquence de coupure basse et fréquence de coupure haute sont pour le passe-bande et le réjecteur, bien évidemment. Après, l'ordre du filtre fait qu'on atténue plus ou moins rapidement. Voilà, ici, vous avez le gabarit du filtre numérique qui est appliqué. Voilà, donc je peux également, ici, simuler un signal, donc je vais mettre un signal triangulaire par exemple, afficher le signal, moduler aussi, pourquoi pas. Voilà, et là, ici, je retourne dans l'onglet filtrage, et cette fois-ci, signal à filtrer est arrivé, le signal simulé, donc était un signal triangulaire, donc à 1 kHz. Donc là, si je le filtre à 1 kHz, calculé, il va me rester quelque chose ici, voilà, donc je vais changer l'ordre du filtre pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, vraiment un peu mieux filtré. Alors, évidemment, c'est un filtre passe-haut, donc on conserve tous les harmoniques. Là, ici, moi, je voudrais garder que le fondamental. Voilà, donc 1 kHz. Donc là, j'ai récupéré normalement une sinusoïde, quasiment. Voilà. Alors, avec un régime transitoire, bien évidemment, au début. Hein, donc, plus j'augmente l'ordre du filtre, plus le régime transitoire est important. Voilà. Et là, ici, on peut retourner après dans l'onglet FFT que l'on avait vu précédemment. Et là, je peux marquer l'onglet, donc la FFT du signal simulé et du signal filtré. Là, si je regarde un petit peu plus près, voilà, alors là, je ne vois pas très bien parce que j'ai les deux, le simulé et le filtré. Donc là, le simulé, son épaisseur de ligne, je vais la mettre au minimum, ce qui fait que l'on voit ici son amplitude. Voilà, donc on a le filtré ici. Donc 1 kHz, c'est normal, je l'ai un petit peu atténué. Et l'harmonique 3, il n'existe plus. Voilà, l'harmonique 5 non plus, l'harmonique 7. Donc ça veut dire qu'il me reste une sinusoïde. Bon, ils sont quasiment disparus. Bon, si je regardais en dB, bien évidemment, on les verrait un petit peu plus. Alors si dans le filtrage, cette fois-ci, au lieu de mettre 1 kHz, je vais mettre 3 kHz. 3 kilos, voilà. Calculé. Donc là, je retrouve davantage un signal triangulaire parce que j'ai le fondamental de tout à l'heure, plus l'harmonique 3. Une grosse partie de l'harmonique 3, donc on va regarder sur la FFT, on va faire calculer la FFT. Donc là, CH1 c'est pareil, je l'enlève. Et là on retrouve bien, donc notre fondamental n'a pas du tout été atténué cette fois-ci. L'harmonique 3 est un petit peu atténuée et les harmoniques suivantes sont complètement atténuées. Ce qui explique qu'on trouve bien notre fondamental plus un petit bout ici derrière. Donc l'allure temporelle nous donne ce résultat. Donc voilà ce que j'avais à dire donc sur cet onglet filtrage. Je vous remercie de votre attention.